chrétiens connaissent la parabole du semeur. Mais ils ne savent pas que ces paraboles-là sont au nombre de 7. Il y a 4 paraboles qui ont été dites en public et 3 en privé avec les disciples. Parabole, en grec, veut dire comparer ensemble. Alors, vous avez 4 paraboles dites en public et 3 paraboles dites en privé. Le chiffre 4 et 3 sont des entités remarquables dans ce qu'on appelle le système arithmétique symbolique de la Bible. Alors, venant maintenant à la parabole du semeur, vous allez constater quelque chose atypique par rapport à ce semeur. C'est quelqu'un qui sème à tout vent. C'est quelqu'un qui sème à tout vent. Il n'est pas allé faire la géologie, la typologie du sol. Il n'est pas allé chercher de l'engrais. Il n'a pas défriché, il n'a pas sarclé. Lui, tout ce qu'il fait, il ne fait que semer. Terre rocheuse, terre infertile, tombée dans les ronces. Et ça, c'est le premier principe du royaume de Dieu. Dieu n'a envoyé personne dans le monde pour aller créer ce qu'on appelle the social identity theory. C'est-à-dire, je suis ceci parce que je suis connecté à cela. Je suis celui-ci parce que je suis connecté à celui-là. Le premier principe fondateur du royaume de Dieu déconstruit cette pensée, cette mentalité selon laquelle on a besoin de se connecter à quelqu'un pour devenir quelqu'un. On a besoin de se connecter à quelqu'un pour être quelque chose. Le semeur sème. Et bizarrement, les chrétiens ont oublié qu'ils étaient avant des terres rocailleuses, avant de devenir des terres fertiles. Parabole du semeur, premier principe du royaume de Dieu, nous sommes tous égaux devant Dieu. Alors, lisez les autres paraboles. Histoire Afrique, levez le voile colon et laissez parler la Bible elle-même. Au revoir.